Voilà, salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Alors, chers amis, je suis Monsieur Coucougnon Christivan, dit Johnny Pacheco Antonio. Alors, donnez-moi 30 secondes, le temps de moi d'effectuer une manœuvre, et puis on va commencer la vidéo. Voilà. Appelez-moi cet illettré qui s'est fait appeler en global. Faut l'appeler. Voilà. Permettez-moi d'effectuer une manœuvre très rapidement et puis on commence la vidéo. Alors, il y a une chose que je reproche souvent à Facebook. C'est la suppression des vidéos des gens sans les aviser, voilà, sans envoyer des messages préalables pour dire le pourquoi de la suppression de la vidéo. Mais je l'ai dit, je n'ai pas pour habitude d'être équivoque. Et donc, ce que j'ai dit là, je vais répéter ça. Alors, Zasso, c'est la toute première fois de ma vie que j'ai pris la peine de t'écouter. Voilà, la vidéo que tu as faite tout à l'heure, j'ai écouté. Je suis allé me laver et puis je t'écoutais. Et comme ma vidéo a été supprimée, je vais reprendre cette vidéo-là proprement dite pour que tu comprennes de quoi il s'agit. D'abord, tu es un inculte. Ça, je te le dis et je vais te le répéter. Tu es un illettré. Et quand tu te fais appeler personnalité politique, moi je suis ahuri, je suis sidéré. Tu es personnalité politique, comment? Je ne comprends pas. Et puis, regarde ton âge. Tu as plus de 50 ans révolus. Donc, tu es obligé aujourd'hui de te raser la tête pour ne pas qu'on voie effectivement que tu es en train de vieillir. Pour ne pas qu'on voie que tes cheveux sont blancs. Tu es obligé de te raser la tête. Tu as dit dans ta vidéo qu'on va passer en revue tout à l'heure. On va t'écouter. Hein? Tu as dit tant d'énormités. En tout cas, me concernant. Et j'aimerais te dire une chose. Le jour que toi, Zasso, tu as moi m'inquiéter à l'aéroport d'Abidjan, ce jour-là, écoute-moi très bien, il faut écrire ça. Le jour que toi, tu as m'inquiéter à l'aéroport de Côte d'Ivoire, ce jour-là, la Russie et les États-Unis vont former un seul pays avec pour président Vladimir Poutine. Ce jour-là, la Russie et les États-Unis vont former un seul pays. Et le président de ce pays uni là, sera Vladimir Poutine. Si toi tu as réussi à moi m'inquiéter, moi Johnny Pacheco. Tu es un plaisantin petit. Tu es un vrai plaisantin. Alors, chers camarades, on va aller doucement parce qu'il y a trop de choses à te dire. Pas te presser. Faut pas te presser. On va ici l'écouter parce que j'ai vu que ta vidéo, les soi-disant opposants, parce que moi je les appelle des opposants pacotis, ces soi-disant opposants là, ont publié ça sur leur page parce que ça les arrange. Voilà. Donc, je vais mettre ta vidéo où tu parles de moi et on va écouter ensemble. Puis, il va te déconstruire. Voilà, je vais te déconstruire. Chers camarades, on l'écoute rapidement. Si celui qui voit cette vidéo n'a qu'à voir ça à Johnny Pacheco. Voilà. Dites à Johnny Pacheco qu'a fait de fif là. J'ai vu sa vidéo. Il y a des gens, mais tu m'as tagué. Moi, ça me fait rire quand je vois les gens. Ici, le combat dans lequel on est là. C'est le combat d'intégrité et de moralité. Lutter contre l'impunité et autres, les détournements des deniers publics. C'est ce combat que nous, dans lequel nous sommes. Moi, je ne suis pas dans un combat pour faire plaisir. Donc, si d'après toi-même, tu es dans un combat pour lutter pour l'intégrité, pour la probité morale des individus qui ont cette, comment on appelle ça? Qui ont pour responsabilité la gestion de cette structure-là qui est la FIF, et que tu accuses par ricochet le président Ouattara d'être l'auteur du complot contre Didier Drogba, ça veut dire que le président Ouattara lui-même n'est pas de bonne probité morale. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le président Ouattara lui-même, il est de connivence avec les Idriss Diallo, qui eux ont détenu des milliards, et le président Ouattara veut les installer au détriment de Drogba. Donc tu es dans un combat pour démanteler ces réseaux-là de faussaires. C'est ce que tu es en train de nous dire.
Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Voilà. Donc, le combat que tu mènes, c'est un combat de probité morale. Mais est-ce que toi-même, tu as de bonnes moralités? Toi, tu as de bonnes moralités? Tout à l'heure, on parlera de ta moralité. Parce que si tu as de bonnes moralités, mais frère, tu n'allais pas trahir Ouattara comme Judas a trahi le Christ. Tu comprends? Donc, on t'écoute, on poursuit. Je suis dans un combat. Un plaisir à qui que ce soit. Non. Je suis dans un combat pour aider mon président de la République. Parce que j'ai été son porte-parole dans l'opposition. On ne t'a pas demandé tout ça. On s'en bat les couilles, on s'en fout, frère. Tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Qui est là pour faire plaisir à quelqu'un? C'est pas là le débat. On s'en fout de ton sentiment personnel, de ton orientation personnelle, du pourquoi tu t'engages sur les réseaux sociaux à plus de 50 ans à parler de tout et du n'importe quoi. À dire du n'importe quoi. Ça, ça ne regarde que toi. Poursuivons. C'était dans le moment difficile de nous. De nous, je suis pas ton ami parce que j'ai été son porte-parole dans l'opposition. C'était dans le moment difficile de nous. De nous, je suis pas ton ami. Et tu as venu parce que mes agents disent de ne pas ton camarade. Mais justement, je ne suis pas ton ami. Je ne peux jamais être ton ami. Et tu le sais. Parce que tu n'as jamais travaillé. Impôts en Europe, tu n'as jamais payé. Depuis, ça fait combien d'années que tu es en Europe? Tu n'as jamais travaillé. Tu vis sur le dos du social. C'est l'État suisse, là, le contribuable suisse qui travaille, qui paye les impôts à l'État, et puis toi, on te paye. Donc, je ne peux pas être ton camarade. Moi, je suis un homme marié légalement. Je ne peux pas être ton ami. Je ne suis pas un réfugié politique. Je ne suis pas venu ici pour dire que Ouattara veut me tuer. Toi, tu l'as fait. Et toi, tu descends au Ghana, au Togo, au Mali, au Burkina pour rentrer dans ton pays. Moi, je descends dans mon pays à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc, je ne peux pas être ton ami. Je vis dans ma propre maison. Voilà, avec mes enfants. Toi, tu es locataire. Ta maison là, c'est-à-dire que même si c'est une peinture, tu ne peux pas changer. Tu vis là-bas selon le goût de ton, comment on appelle ça, du propriétaire de la maison. Et c'est toi qui as me dit, je ne suis pas ton ami. Je ne peux pas être ton ami. Tu es vieux. Ça, il n'y a pas de souci, tu es né avant moi. Mais tu n'es pas intelligent que moi. Tu n'es pas instruit que moi. Et tu n'es pas nanti que moi. Tu n'as rien. Donc, je ne suis pas ton ami. Tu comprends un peu? J'espère que tu comprends français. Hein? Poursuivons. Quand moi, j'étais avec le président Ouattara, toi, tu t'as venu parce que les agents disent de ne pas ton camarade. Quand moi, j'étais avec le président Ouattara, toi, tu étais gendarme de la République. Tu étais l'un des hommes, des gendarmes les plus sérieux. Tu n'étais pas le président Ouattara. Voilà, faut pas te leurrer, frère. Voilà, parce que quand tu dis qu'il a été le président Ouattara, ceux qui ont été le président Ouattara, on connaît les traits de vie. Les Gon Koulibaly, paix à son âme, Henri Diagui Diabaté, les candidats, les groupes là, on connaît leurs traits de vie. Toi, tu as été Ouattara. Toi, tu m'expliquais ici comment tu t'es retrouvé à la RTI. C'est parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour les représenter. Et toi, tu étais à Divo. C'est là qu'on t'a appelé. Ils n'ont pas mis de moyens de déplacement à ta disposition. Tu m'as dit ça? Toi, tu es un profiteur. Tu es là parce que tu es au RHDP, mais pour de l'argent. Parce que si tu étais là par conviction, tu n'allais pas te plaindre hier des moyens de traitement, etc., que tu as infligé d'après toi-même, Bakayoko. Tu me l'as dit. Si tu es vraiment honnête et que tu prends le Saint-Esprit en témoin, tu me l'as dit. Et on dit, tu ne peux pas appeler le Saint-Esprit en vain, tu le sais. Donc toi, hier, tu t'es retrouvé de façon circonstancielle à la RTI parce que tu n'étais pas celui qui était qualifié à le faire. C'est pas sur toi qu'ils avaient porté les choix. Tu as été là-bas accidentellement, circonstanciellement. Voilà la réalité. Voilà. On poursuit. Tu humiliais même les militants. Les militants du RDR. Tu étais l'un des militants les plus zélés. Même quand tu allais dans ton exil, dans ton coin où tu es parti, combien d'années tu as passé en train d'insulter le président Ouattara et son épouse? Combien d'années tu as passé? Normalement, dans ce pays, on devait t'arrêter. Mais au fait, quand je te dis que tu es un idiot, tu es un illettré, tu vois, tu ne comprends pas. Parce que ça se voit quand j'étais candidat aux législatives, quelqu'un que je ne connais pas, toi et moi, on ne se connaît pas. Mais tu as fait une vidéo pour demander à Ange Kessy de m'arrêter parce qu'il était gendarme en Côte d'Ivoire. Tu as demandé à Ange Kessy de m'arrêter. Tu ne connais même pas les droits. Tu ne sais même pas que pour que moi, je sois arrêté en Côte d'Ivoire, mais il aurait fallu que je fasse moins de 5 ans hors du territoire.
et que je vienne en Côte d'Ivoire pour que comment on appelle ça, le procureur de la République lance un mandat contre moi. Toi, tu ne sais même pas ça. J'ai fait 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, je suis rentré. Mais qui peut me poursuivre? On ne peut plus me poursuivre. Mais de même, quand tu dis que j'ai insulté les paysans, mes frères, va encore sur les injures publiques là. Le droit, là, il est à la portée de tout le monde. Quand tu ne connais pas le droit, il ne faut pas te lancer dans un débat juridique. Ben, tu ne connais rien du droit. Même sur la question de diffamation. Si la diffamation a eu lieu 3 mois avant, 3 mois après, et comment on appelle ça, que tu portes plainte, il n'y a plus de diffamation. C'est-à-dire que si toi tu estimes que tu étais diffamé, que tu vas à la justice et à la vidéo, si la vidéo là, elle date de 3 mois, mes frères, la diffamation là, elle n'est plus de vigueur. Ça, tu ne sais pas ça aussi. Et tu te lances, non, on devait l'arrêter. Mais fallait venir m'arrêter. Pourquoi tu n'es pas venu m'arrêter? On poursuit, pas te presser. Moi, je dis merci au grand frère Gabi de t'avoir aidé. Mais ton impolitesse là, faut pas envoyer ça chaud. Et puis, débat de fif là, enlève ta bouche dedans. Tu crois que moi j'ai peur de dire que. Débat de fif d'enlever ma bouche dedans. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Moi, d'enlever ma bouche dans le débat de fif. La fif là, ça veut dire quoi? Fédération Ivoirienne de Football. Qui parle de fédération parle de ce qui fédère tous les Ivoiriens, ce qui les regroupe autour d'une structure. Et on parle de la structure footballistique. Donc, la fédération des Ivoiriens autour de la structure footballistique. Et toi, tu me dis, enlève ta bouche dedans. Pourtant, moi, j'ai le passeport de Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as pas le passeport de Côte d'Ivoire. Toi, tu es apatride. Tu n'as pas de pays. Toi, aujourd'hui, là, tu es réfugié, protégé par l'ONU. Moi, j'ai le passeport de mon pays. Est-ce qu'on est pareil? Donc, si de toi à moi, là, qui doit parler de la fille, c'est Johnny Pacheco, c'est pas toi. Ben, tu n'es plus Ivoirien. Tu sais pas ça? Tu sais pas que tu n'es plus Ivoirien. Voilà pourquoi pour rentrer en Côte d'Ivoire, tu passes par les pays limitrophes pour rentrer dans leur pays. Tu passes par les pays limitrophes là pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et tu me dis, moi, d'enlever ma bouche dans les débats de la FIFA. Tu es sérieux là? Poursuivons. L'élection de la FIFA là, c'est une affaire politique. Que l'élection de la FIFA là, c'est une affaire politique. Mais c'est une affaire politique. Ah, c'est une affaire politique. Donc tu vois, c'est dans cette vidéo que tu te contredis. Tu dis que moi, je fustige le président. Et tu dis que l'élection de la FIFA est une affaire politique. Pourtant, nous, on dit que c'est une affaire qui concerne purement et simplement les acteurs du football ivoirien. Les Okora Maestro, les Kalou Bonaventura, c'est Ouattara qui s'est transformé en Okora Maestro. Français que les Okora ont parlé, tout le monde a entendu là. C'est Ouattara qui a mis ça dans la bouche. Et toi, tu veux faire comprendre aux gens que c'est Ouattara qui est derrière. On te dit non et arrête et tu racontes ta vie de merde. Et pour ça, tu as fait une rétrospection, c'est-à-dire parler des choses antérieures. Johnny a fait ceci, mais ce que Johnny a fait là, tout le monde le sait. En quoi est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Rien n'est caché. Tout le monde sait. C'est à la portée de tout le monde, c'est sur Internet. Voilà la réalité. Donc tu apprends quoi à qui? Rien du tout. Ou bien tu es plus royaliste que le roi Alassane Ouattara lui-même. Tu aimes Ouattara que lui-même. Enfoiré là. Puis suivant, il vient. Il n'est pas commencé à juger. Tu ne peux pas t'insulter. Il a bien t'insulté dans cette vidéo. Et puis, ce que tu as fait là, moi, y'a voir. Ce que tu as fait, y'a voir. Et puis, il ne faut pas attendre que tu sois à Abidjan. Viens commencer à venir ici. Si tu es garçon, que tu as pine là, viens commencer ça à venir ici. Y'a bien, poursuivons. Depuis toi, tu étais sous Babouna, tu as une fois vie élection. Depuis toi, tu étais sous Babouna, tu as une fois vie élection à la FIF dans ce pays. La FIF là, c'est l'état de Côte d'Ivoire qui finance à 80%. Donc, elle n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome. Tous les présidents de Côte d'Ivoire. Donc, dans ce cas, pourquoi tu dis que Ouattara, il n'est pas fait? Si Ouattara peut soutenir des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui sont corrompus, et que toi tu es dans un combat pour lutter contre la probité, contre la moralité douteuse des personnes qui ont détenu des milliards qui appartenaient à l'État de Côte d'Ivoire, en ce moment-là, pourquoi tu veux faire passer le président Ouattara comme étant un homme parfait? Si Ouattara soutient des faussaires, si c'est une affaire politique, si c'est une affaire politique, mais qui est au pouvoir? C'est RHDP? Ça veut dire que le RHDP dans sa composante là, c'est des faussaires, c'est des malhonnêtes, c'est des faux types. Ils sont pas de bonne moralité. C'est ce que tu es en train de dire? Ou bien toi-même tu ne vois pas français? Tu ne sais pas analyser? Non mais c'est incroyable. Poursuivons. On a été nommé par les pouvoirs politiques. Tu es nommé par les pouvoirs politiques. Donc c'est Ouattara qui a nommé Idriss Diallo. Sidi Diallo paie à son homme qui est décédé là. C'est Soro qui a proposé Sidi Diallo au golf. Il n'y a pas eu élection. Tous les autres ont l'air à dire à l'idée de vous. Parce que la plupart de tous ces présidents de club, ils doivent.
On parle de détournement de 4 milliards. On parle des audits de l'État de Côte d'Ivoire qui sont chiffrés à des milliards. Mais moi, mon combat, c'est un combat de moralité, d'intégrité. Des gens ne peuvent pas prendre l'argent et puis devenir président à la FIF et devenir même candidat à la FIF. Alors, c'est quel combat vous menez même au sein de notre parti? Mais c'est vous là. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire en quelque sorte. Idriss Diallo a été proposé, imposé par Guillaume Soro. Donc, il est en train de vous dire, frère, dis-nous aujourd'hui, ou mais c'est Patrick Hachi qui a, puisque Guillaume Soro était premier ministre, donc si on fait l'équivalent, on voit que c'est Patrick Hachi aujourd'hui qui est premier ministre. Donc, c'est Patrick Hachi qui a imposé Idriss Diallo ou quoi? Faut nous dire, tu es un con, tu es un maboule. Tu es un maboule. C'est ça, en fait, le vrai point. Poursuivons. Votre con. Et puis après, ici, là, quand il y a eu le problème de Diaby, mais toi, Johnny, c'est toi qui as vendu Diaby. C'est toi, Johnny Patokola, c'est toi qui as vendu Diaby. Parce que c'est toi, quand t'as donné de l'argent, là, Diaby t'a donné de l'argent pour t'aider, pour prendre les avocats. Tu as fait quoi quand t'as donné des milliards? Quand t'as donné des dizaines de millions? D'abord, il y a des choses. C'est pas qui prend les vies. Hein. C'est pas qui prend les vies. Une fois, il y a une sœur à paix à son âme. Elle s'appelait Baronne Coutouan, la fille de la ministre Christina Diobi. J'ai appris son décès. C'est un diplomate ivoirien mais qui m'a annoncé son décès quand je suis allé faire mes papiers. Et elle avait eu à dire des choses parce qu'en ce moment, elle était en procès contre quelqu'un dans le parti de Stéphane Kipré. Et moi, je lui ai apporté mon soutien à l'époque. Et l'avocate de Kipré, en Finlande d'ici, a pris mes propos. Elle allait déposer ça à la police. Et on m'a convoqué. Et la police a dit, est-ce que tu te reconnais, tu reconnais avoir dit ça? Parce que voilà ce qu'il a dit. Il a dit, même le FBI ne peut pas, moi, Johnny Pacheco, m'empêcher de parler. Et la police m'a demandé, est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, mais d'abord, en quoi est-ce que cette affaire concerne Stéphane Kipré? Et puis, oui, est-il libre de parler? La constitution de Finlande me confère le droit de parler. Voilà. J'ai dit ça au policier. Devant Dieu, devant ma mère qui est dans l'au-delà, je lui ai dit ça. Dis-tu même, petit. Tu as compris? Tu penses que moi, je suis d'un pays, tu penses que je suis, excusez-moi, mais tu penses que je suis au Burundi, ou bien je suis au Rwanda, ou bien je suis dans quel pays là? Tu penses que Stéphane va venir ici, déposer plein compte pour un PM, un matin, on me prend comme ça, on me met d'avion, on dit, il faut quitter ici. Ici, là, c'est un pays de droit. Tu as compris? Donc, je n'étais pas dans la détresse ou bien, genre, Johnny était malheureux et puis Diaby est venu le sauver ou quoi, je ne sais pas de quoi j'entends parler. Et puis, moi, je suis venu sur la toile pour te dire que Diaby m'a aidé pour payer mes avocats. Moi, t'as déjà dit ça. Je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit, à part la fois où Diaby a été victime de, comment on appelle ça, tout sort d'injures. Et j'étais obligé de sortir pour expliquer mes rapports à Diaby. Comment je l'ai connu, où on s'est rencontré et d'où c'est parti. Voilà comment j'ai parlé d'avocat pour la première fois. Tu as compris? Voilà comment j'ai parlé d'avocat pour la première fois. Voilà. Maintenant, si payer avocat peut changer la vie de quelqu'un en Europe ici, faut venir me dire. Si l'agent d'avocat là, c'est mon agent personnel, c'est-à-dire son agent là, moi il prend pour manger là, faut venir me dire. Viens me dire. C'est pas fini. On va poursuivre. Donc, moi, j'ai vendu Diaby comment? Poursuivons. Diaby. À cause de toi, des militants ont vomi Diaby parce que toi, on t'a donné l'argent. Alors que Diaby avait essayé de t'aider. C'est toi qui as détruit Diaby. C'est toi qui as fait que tout le monde a commencé maintenant à mettre la bouche chez Diaby. Fouiller dans Diaby. Diaby a été démis de ses fonctions. Ouais, tu vois comment tu es malhonnête. Tu vois comment tu es malhonnête. Pourtant, il y a des gens qui se font appeler journalistes d'investigation, qui disent d'après eux qu'ils avaient des preuves accablantes contre Diaby, etc., etc. On a vu tout le monde parler ici. Aujourd'hui, c'est Johnny Pacheco, ce simple citoyen lambda là. C'est lui que le président Ouattara a regardé pour démettre Diaby de ses fonctions. Mais c'est incroyable, c'est pathétique, cette manière de réfléchir. C'est vraiment pathétique. Mais moi d'abord, les militants qui sont braqués contre Diaby là, ce n'est pas pour une question de Johnny Pacheco qu'on lui a remis une somme exorbitante. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parti de Tosso 15-15. C'est lui qui dit qu'au congrès de Montreuil, Diaby m'a remis 16 000 euros. C'est de là que tout est parti. Ce n'est même pas une question d'avocat. Donc ici, là, hein,
Tu es comme un transfuge au fait. Tu es en train de mentir. Tu es en train de désacraliser les faits. Les militants du RHDP disent que Diaby m'a remis l'argent pour organiser les convois et que c'est 16 000 euros que Diaby m'a donné. C'est de là que tout est parti. Mais frère, moi, ma démarche envers Diaby, dis-moi, elle était mauvaise. Ma démarche pour le RHDP, là, c'était une mauvaise démarche. Il faut me le dire concrètement. Moi, je suis venu ici dans l'objectif que Diaby soit livré à la vindicte populaire, que Diaby soit insulté. Mais au contraire, quand Diaby était invectivé, là, mes vidéos sont légion, où à chaque fois, il sortait pour venir dire aux gens d'arrêter, pour venir rappeler aux gens ce que Diaby a fait. Et toi, tu as me dit aujourd'hui que moi, je suis l'auteur de... Comment on a, mais c'est que Diaby n'allait plus causer à moi. C'est que mon père, il n'allait plus causer à mon père. Il dit qu'aujourd'hui, il cause à lui. Si lui, il pense que Johnny est responsable, là, pourquoi il parle à moi? Frère, faut m'expliquer. Tu racontes quoi? Donc, il faut aller, en tout cas, il faut aller à la source pour essayer de comprendre les faits dans leur contexte. Demande aux gens, par exemple, aujourd'hui, les opposants publient des vidéos. Donc, ça veut dire que vous êtes de connivence. Va leur demander pourquoi, hier, vous avez commencé à attaquer Diaby. C'est à cause du congrès de Montreuil. Ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Tu comprends un peu? Voilà. On va poursuivre. Ses fonctions. Mais c'est le même combat là, c'est de ça que je parle. C'est la même chose que je dis à la FIF. J'ai dit que ton fils a eu le soutien du pouvoir camerounais. Je l'ai dit et j'ai prouvé les preuves. Johnny, moi là, Ouattara là, c'est dans l'opposition. Le président Ouattara, c'est mon père. C'est dans l'opposition. C'est parce que je ne l'ai pas encore rencontré. Mais quand je vais le rencontrer, le jour où je serai devant le président, je lui dirai la même chose. Là. Tu vois, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne seras jamais rien en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Il faut écrire ça quelque part. Ta chance, tu l'as eu une seule fois. Ta chance là, tu l'as eu une seule fois. Je te présente ça ici. Voilà. Je te présente ça ici pour que tu comprennes. Tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, c'est quoi l'âge pour faire les vidéos sur Facebook? Parce que pareil, ton âge, tu as 50 ans révolu. Mais frère, moi, ce n'est pas une question de... Il y a un âge spécifique pour être sur Facebook pour faire des vidéos. Non. Mais quand on atteint 50 ans, on ne fait pas des vidéos. Quand on atteint 50 ans, on est assis et puis on gère ses affaires. À 50 ans, on ne fait pas des vidéos. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Sinon, si tu as envie de faire 50, des vidéos à 50 ans, ça veut dire que tu as raté ta vie. Voilà. Alors, le président Ouattara, c'est ton père. Ah ouais? Et moi, je ne savais pas. On peut renier son père comme ça? Regarde ici, il y a ton ami, celui-là. Chef Dozo et le prétendu gendarme égorgé, qui s'appelle Sangaré Seydou, chauffeur de gros camions. Voilà, lui-là, il s'appelle Touré Mamadou. Jeune comme toi, qui était en Suisse, qu'on a déplacé, et qui dormait à l'hôtel du Golfe. Tu comprends un peu? Ce monsieur-là, il est resté loyal et fidèle au président. Aujourd'hui, ça a payé, il est ministre. Tu comprends un peu? Comparé à lui, tu es un crève la faim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est sa mallette. Toi, tu attrapes et puis lui marche. Mais tu es un plaisantin. Tu as compris? Donc, tu ne seras jamais rien en Côte d'Ivoire. Il faut retenir ça, ce que je te dis. Il faut retenir ça. Viens, je vais te montrer une autre vidéo. Tu vas comprendre. C'est toi, ça, non? Bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Les étudiants de Côte d'Ivoire, de notre Côte d'Ivoire, travaillent dans des situations véritablement difficiles et pénibles. Il n'y a plus d'amphi. Il n'y a plus de logement. D'abord, où ils prennent les cours alors, s'il n'y a plus d'amphi? Maintenant, c'est sur le gazon. C'est sur le gazon. Voilà. Le président Ouattara, c'est ton père, non? C'est sur le gazon. Mais ce même président qui est ton père, là, que tu connais depuis l'opposition, d'après toi-même, on va poursuivre Payet et te déconstruire. La preuve en est que lui-même, le président, est-ce que vous savez quel rapport il reçoit chaque jour? Est-ce que vous savez combien de fois le président Ouattara ne dort pas pour son pouvoir? Il y a des gens dans son système qui font du n'importe quoi. Des gens font tellement de bêtises. Toi, tu as quelle leçon à donner à quelqu'un? Dans l'entourage du président, toi, tu as quelle leçon de morale à donner à quelqu'un? Tu n'as aucune leçon à donner à quelqu'un? C'est-à-dire que ici, tu m'accuses d'être celui-là même qui est invective.
Celui-là même qui attaque, qui dénigre le RHDP. Mais ce que tu es en train de dire ici, là, tu es en train de faire quoi? C'est pas ce que tu es en train de faire. Donc, il y a un paradoxe, là, frère. Maintenant, on va poursuivre parce que j'ai eu ça à te montrer, une vidéo. Moi, ça me fait mal. Le mec est tourné. Moi, ça me fait mal. Le monsieur, il a les mains propres. Le monsieur, il a les mains propres. Tout ce que vous voyez pas en route, c'est sa bonne foi, c'est son travail. Tu vois, au fait, tu vois, c'est-à-dire qu'on fait le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'il était mort et puis il siffle. Il était mort et puis il siffle. Le monsieur, il a les mains propres. Mais il a les mains propres. Pourquoi tu dis qu'on a fait des fifles à zèle? C'est question politique. C'est justement parce que Ado est démocrate et que ces élections-là, il n'a pas voulu mettre sa main dedans. Ils n'ont qu'à gérer les structures de façon indépendante, de façon autonome. C'est ce que moi, il me force à te dire. Mais tu dis non, c'est politique. On a imposé Idriss Diallo parce que c'est le pouvoir. Est-ce que moi, au temps de Gbagbo, là, j'ai déjà vu un président qui a été élu? Mais il a été toujours imposé par les chefs d'État. Mais en même temps, Ado, il est bon. C'est pas moi, tu vas bénir. Tu comprends un peu? Au fait, tu penses que tu peux jouer, tu peux amadouer les gens. Mais on est trop intelligent pour toi. Moi, personnellement, je suis trop intelligent pour toi. Tu es très bête et tu es con. C'est ça la réalité. Poursuivons. Les gens ont pris de l'argent. Suivez. 4 milliards et autres. La gestion de la FIF, si elle a été calamiteuse, moi, Zasso, je viendrai dire qu'elle a été calamiteuse. Et ceux qui l'ont fait, moi, Zasso, les gens ne peuvent pas être soupçonnés comme Diaby a été soupçonné. Et puis, on a enlevé Diaby. Et puis, ces gens, ça m'a bien les applaudir. Je suis désolé. Moi, je ne suis plus dans le fait de Drogba. Je suis dans une de mon combat. D'abord, tu as les preuves que les gens ont détenu de l'argent. Si tu as les preuves, mais va saisir la justice. La justice ivoirienne, là, elle est la justice de tout le monde. Elle est à ta portée. Actuellement, tu es à Abidjan, en fait, tu ne travailles pas en Europe ici. Va à la justice et puis dépose plainte pour dire que Idriss Diallo a détenu 4 milliards, que d'emmerder les gens. Si tu as les preuves, pourquoi? Parce qu'on n'est pas de la spéculation. Les discours puérils, là, il faut nous éloigner de ces discours-là. Va à la justice, comme ça, ce débat-là sera clos. Tu comprends un peu? Poursuivons. C'est l'intégrité et la moralité. Dans mon combat, c'est l'intégrité et la moralité dans la gestion des affaires de l'État. La bonne gouvernance. Voilà. Donc, si c'est l'intégrité et la moralité, et que tu accuses les dirigeants du RHDP d'être derrière cette magouille-là, mais on dirait quoi de la moralité alors? Donc, ton combat, normalement, c'est contre eux. Puisque eux, ils soutiennent Idriss Diallo qui a de bonnes moralités. Et qui soutient un voleur est lui-même voleur. Donc, ça veut dire que ton combat, c'est contre Idriss. Et ce que tu dis à ceux à qui tu dis, comment on appelle ça, le parti politique à qui tu dis appartenir là. C'est ça la réalité. Poursuivons. Le président Ouattara a mis un ministre de la bonne gouvernance. Diaby là, ce dont tu parlais là, on a soupçonné. Des gens sont soupçonnés de devenir candidat à la FIF. Moi je parle, vous pensez que vraiment la même chose. Vraiment n'est pas la même chose. Hein. Non. Vous et moi, mes années là, ils m'aiment. Ce que je dis là, beaucoup sont d'accord. Hein. 90% sont d'accord avec ce que je fais. Moi, je ne mets pas du côté du président. Au fait, tu vis pour les gens. Tout à l'heure, dans ta vidéo, au début, tu as dit que tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Que tu mènes un combat propre. Mais tout, encore, tu dis que tes aînés au RHDP sont d'accord avec ce que tu dis. Beaucoup t'aiment. Moi, je ne suis pas là pour me faire plaire. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Et puis, je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Tu as compris? Je n'ai pas besoin qu'on m'aime, frère. C'est ça la réalité. Son projet de société, son programme. Pas du côté du président. Parce que c'est son projet de société, son programme. C'est son programme que moi j'ai soutenu depuis l'opposition. C'est pas la personne que je soutiens, c'est son programme. C'est sa vision, son intégrité. Donc tu as soutenu le programme de quelqu'un. Sa vision, son intégrité. Depuis l'opposition. Ah ouais? Et puis tu as fait ça là. Attends de te montrer. Faut suivre cette vidéo là. Peut-être que ça soit a trahi la lutte. À 48 heures de la décision finale, non, je n'ai rien trahi. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses au docteur Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision
cette décision, je l'ai dit, pour une raison claire. Le débat d'hier, le candidat de la majorité présidentielle était face à mon candidat hier. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant, tu vois, j'ai même pas envie de poursuivre ça au fait. Tu es malheureux. Tu es très malheureux. Donc, l'homme dont tu parles là, on va l'amener. Ces mecs qui sont propres là, c'est ça moi j'ai regardé. Projet de société, son programme. C'est son programme que moi j'ai soutenu depuis l'opposition. C'est pas la personne que je fais, c'est son programme, c'est sa vision, son intégrité. Ces mecs qui sont propres là, c'est ça moi j'ai regardé. Ah, donc tu savais pas ça? Tu savais pas ça, et puis c'est Gbagbo qui a devenu ton candidat désormais. C'est toi qui avais t'asseoir pour parler de Johnny. Moi, contrairement à toi, moi j'ai un alibi. Tu as compris? Ado, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Et ensuite, moi, Stéphane Kipper avait déposé plainte contre moi ici. Et quand Stéphane a déposé la plainte, je suis allé à la CPI. J'ai dit à Gbagbo, celui que de vive voix, je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il a dit qu'il allait régler ça. Blé Boudé est témoin de ce que j'ai dit. Tu as compris? Et grande fille, ma surprise. Ce jour-là, quand j'ai parlé à Gbagbo, il y avait Danon Djedjé qui était là. Son ministre Danon Djedjé, il était là. Voilà. Grande fille, ma surprise de constater ici qu'il y a Maître Atit qui envoie un document sur un document qui dit que Laurent Gbagbo atteste ce que c'est pas qui prédit. Donc, il est témoin, il accepte de témoigner par procuration via Maître Atit. Moi, j'ai un alibi. Tu as compris? Donc, à partir de cet instant-là, eux et moi, on a arrêté, on a coupé les ponts. Et puis, moi, j'ai pas commencé à parler, il n'a pas commencé à attaquer Gbagbo Laurent avant de rejoindre les RHDP. Hein. Non. Mes vidéos sont là, hein. Faut pas venir tronquer l'histoire. Moi, j'ai commencé à régler mes comptes avec Laurent Gbagbo avant même de rencontrer Djabi Lansini. Avant même de parler d'Alassane Ouattara, là, moi, j'ai commencé à régler mes comptes avec le FPI. Tu parles de quoi? Mais moi, au moins, j'ai un alibi. Mais toi, tu parlais de l'intégrité morale et physique d'Alassane Ouattara de ses projets. Ces projets-là, tu ne connaissais pas. C'est pas toi qui disais que les étudiants dormaient sur les gazons. Et c'est Laurent Gbagbo qui était le cauchemar des étudiants là. C'est lui aujourd'hui qui est devenu les arbres parfaits, le modèle. Enfoiré là. On va poursuivre. C'est ça, moi je suis. Oui. Donc si des gens demain sales, moi je vais les combattre. C'est mon droit, je suis ivoirien, je suis citoyen ivoirien, je paye les impôts. Qui va me distraire? Donc toi tu veux combattre les gens. Pas dans ta vidéo, écoutez très bien. Il dit si les gens ont les mains sales, il veut les combattre. Mais lui, dans cette même vidéo-là, il va se plaindre. Pourquoi moi, je voulais dire au président qui est Chris Yapi? Tu vois comment tu n'es pas cohérent? Tu vois comment tu n'es pas normal? Bah, toi, tu dis que tu es un monsieur. Et puis, dans son entourage-là, yeah, c'est pourri, c'est corrompu. Il y a des gens qui travaillent pour le faire, pour le mettre à terre, pour mettre son pouvoir à zéro. Et moi, je vais lui dire. Et toi, tu dis que c'est mauvais. Est-ce que tu es normal, mais toi, là? Tu es normal? Au contraire de toi à moi, lui qui a aimé Ouattara et puis il a voulu que son pouvoir soit préservé là. C'est moi, c'est pas toi. Enfoiré là. Poursuivons. Qui va me distraire? Europe, vous vivez là. Quand on soutient les gens de ceci, cela là, est-ce que vous les voyez être président? Quand on parle d'Europe, faut te taire. Tu connais pas l'Europe. T'as compris? Quand on parle d'Europe, la faute de taire. Tu as été accidentellement en Europe. Ici, tu travailles pas, tu n'as rien. Ta femme là, tes enfants, tout cela, c'est le social qui vous paye. Tu n'as rien, tu n'es rien. Quand on parle de l'Europe, tu te tais. Tu as compris ou pas? Voilà. Et pendant qu'on y est, redonne le passeport d'étranger et comment on appelle ça? De l'ONU. Parce que tu es venu dire que Ouattara va te tuer. Actuellement, tu es à Abidjan. Ouattara va te tuer. Comment tu peux t'asseoir à Abidjan dans ton cuir là? C'est un passeport de réfugié qu'elle a. Et puis, tu es malhonnête. Tu es très malhonnête. Tu pues la laideur. Une laideur morale. Et tu t'assois pour parler de Johnny. Enfoiré là. Ta chance, c'est que tu n'es pas en Finlande. Sinon, il y a longtemps, ça allait te dénoncer. Il y a longtemps, moi, Johnny, ça allait te dénoncer à l'immigration pour dire qu'il a, lui, est à Abidjan. Et puis, ils allaient te jeter en Côte d'Ivoire pour toujours. Tu ne me connais pas où? Enfoiré, là. Les voyages, le président.
Vous dites que vous êtes en Europe. Moi, je parle et puis c'est vous qui bavardez. Johnny, tu veux revenir au RHDP. Il faut revenir. Tu as fait vidéo ici. C'est faux. Je ne veux pas revenir au RHDP. Je ne suis pas RHDP. Aïe. Je ne suis pas RHDP. Je soutiens Alassane Ouattara. Un point, c'est tout. Et je l'ai toujours dit. Je ne reviens pas au RHDP. Tu as compris? Faut pas m'attribuer des propos qui ne sont pas miens. Ne m'attribue pas des propos qui ne sont pas miens. Toi, tu lis de ma pensée. Tu sais ce que moi, je veux. Tu lis pas de ma pensée quand il veut revenir au RHDP. Enfoiré. Les débats artistes spéculatifs, là. Tu m'enlèves dedans. Poursuivons. Quand on a demi Diaby, Diaby vient ici. Quand on a demi Diaby, mon grand frère Diaby, la scène a dit ses fonctions. C'est toi qui as fait que tous les militants se sont braqués sur Diaby. C'est toi qui as vendu Diaby. Il a dit moi, d'accord. Quand le grand frère, il a été démis de ses fonctions, toi, Johnny, tu as crié ici le pouvoir de Ouattara, un pouvoir de merde. Le pouvoir de Ouattara, un pouvoir de merde. Tu as cassé les papos. Tu as dit ceci, tu as cela. Mais viens casser. Mais il dit, quand toi, tu étais ici en diaspora, là, ah, quand tu étais dans le centre de réfugiés, quand tu me demandais 100 euros, là, quand tu as commencé à faire des vidéos, là, le pouvoir de Ouattara était un pouvoir béni. C'était pas même pouvoir de merde, là, que tu disais. Dis-moi, quand tu faisais tes vidéos ici, là, c'était pas même pouvoir de merde. Quand tu t'abaisses pour aller dans le cul de quelqu'un, là, faut savoir que ton cul, là, c'est ouvert aussi. Tu as compris ou pas? Faut savoir que ton anus, là, c'est gaillardement ouvert. Que le pouvoir de Ouattara est un pouvoir de merde, etc., etc. Tu racontes quoi? Et puis, je vais te dire une chose. Tu penses que même dans la gestion du président Ouattara, il n'y a pas de critiques qu'on peut faire? On peut faire des critiques, mais objectives. Parce que même aux États-Unis, sur Joe Biden, aux États-Unis, ceux qui ne manquent de rien, même chez Macron, même en Finlande, ici où on ne manque de rien, les Finlandais critiquent le président. Ils critiquent. Pourtant, ici, ils ont tout, mais ils critiquent. Tu parles de quoi? Tu racontes quoi? Tu penses que tout est parfait, qu'on ne peut pas dire des choses au président Ouattara? Mais elle te dit pourquoi? J'ai arrêté. C'est pas le président Ouattara mais que j'ai dit qu'il va attaquer. Pourquoi j'ai arrêté de comment on appelle ça, d'exposer un tant soit peu l'état de la société ivoirienne? Parce que je n'ai pas voulu que derrière on dise que c'est Diaby, l'ancien qui me manipule pour venir attaquer le président. Tu as compris ou pas? Je n'ai pas voulu qu'on dise que c'est Diaby parce que tous pensaient que c'était Diaby et moi je veux du bien de Diaby. Et puis, en réalité, Ouattara, j'ai rien contre lui. Je l'ai toujours dit. Je dis, parmi eux tous là, celui à qui moi je dois, c'est Alassane Ouattara. S'il y a quelqu'un à qui moi je dois quelque chose, c'est Alassane Ouattara. Donc, l'attaquer, c'est pas quoi. Mais j'avais dit que j'allais plus fermer mes yeux sur son entourage, ces cadres là. J'allais plus fermer mes yeux. Celui qui s'amusait à l'allumer, comme ils ont voulu qu'on allume Diaby là. Parce que, si on peut allumer un cadre et RHDP comme Diaby, c'est qu'on peut allumer d'autres cadres aussi. Voilà ma logique. Tu as compris? Mais j'ai mis pas la terre pour ne pas que eux ils pensent que c'est Diaby qui est derrière moi. Parce que je veux pas qu'on se, que en tout cas, il y a des règlements de compte et autres. Diaby, il est RHDP qui a pris le contraire. Et lui-même, Diaby m'a appelé pour me dire non. Il est RHDP soutenant le président. Laisse tout ça. Et puis, il a dit, il a compris. T'as compris ou pas? Voilà. Allons-y. Tu as trop de pression. Moi, j'ai pas de pression. Je n'ai aucune pression. Quand tu me regardes, il n'y a pas quelqu'un qui a pression. C'est toi qui as pression. Voilà pourquoi tu es à Abidjan, en train de mendier. Ben, tu veux te construire une vie. Tu veux te construire une vie. La vie est en train de finir, là. Ça avance. Et tu n'as rien réalisé. Tu as oublié quand tu m'as dit que Ouattara a tué ton, c'est pas ton père au village. Après la crise post-électorale, tu n'as pas dit qu'ils ont tué ton père. Tu m'as pas dit ça ici. Avant de me demander 100 euros, là. Tu n'as pas dit qu'ils ont tué ton père. Enfoiré, là, hypocrite. Sale hypocrite. Toi, tu n'es pas venu. Tu m'as pas dit que les cas du FPI sont méchants. Que tu allais voir Damana Picasso à la CEI. Tu appelles le Saint-Esprit. Parce qu'on dit, tu ne peux pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu ne prononceras pas envers le nom de l'Éternel. Tu m'as pas dit que tu allais voir Picasso qu'il a reçu. Il a refusé de te recevoir. Tu es resté là-bas pendant des heures et des heures. Enfoiré, là. Toi qui ne te connais pas, tu as venu parler des choses. Poursuivons. J'ai pas de pression. Tous ces années qui sont là, ce sont mes aînés. Nombre d'entre eux, on était ouais. Bon, c'est ton parti. Nombre d'entre eux, vous étiez. On sait où on rentre, où on sort. Nombre d'entre eux, on était au RDR. Pourtant, ils sont restés à la même position là. Ces gens avec qui tu étais au RDR là, ils sont restés à la même position. Et aujourd'hui, chacun a un poste de responsabilité. Toi, tu es où? En train de papillonner. Un personnage aussi ambigu, versatile comme toi.
quand on était au RDA avant, tu n'as pas honte? Normalement, toi, aujourd'hui, là, tu devais avoir ton bureau. Tu devais avoir ton cottage. Tu vas pas voir, malgré même que tu ne sais pas parler français, malgré que tu as un niveau terminal d'après toi. Mais ça aussi, ça a vérifié. Parce que ce dont tu parles là, avant de mettre personnalité politique sur ta page, parle-nous de ton cursus. Parle-nous de ton parcours. Embrouillé là. Enfoiré. Et bien, la partie des injures là, on rentre tout à l'heure. Je ne sais pas quoi plaisir toi. Et puis, viens voir ce que tu as fait. Vidéo, d'après toi, tu enregistres mes vidéos, non? Faut prendre ça là, faut aller donner ça au procureur en même temps. Faut aller donner au procureur, hein? Et toi, tu ne connais pas où. On poursuit. Par contre, j'ai dénoncé des choses. T'es dans le pouvoir, on m'applaudissait. J'étais celui-là même qui avait la voix forte. Quand c'était pas bon. C'est pas aujourd'hui, on va me dire, quand le président va être au pouvoir, moi, je dois me taire. Sur mon père, sur son régime, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est à moi d'interpeller le président. Ou du président, attention. Président, attention. Qu'est-ce qu'il te raconte même? Tu racontes quoi même toi? Maintenant, si tu dis que toi, tu dois venir dénoncer des choses qui ne vont pas au RHDP, pourquoi tu te plains alors quand Johnny Pacheco a dit qu'il allait dénoncer aussi des choses qui n'allaient pas? Quand ils ont enlevé Diaby là, et puis il a dit qu'il allait faire ça aussi là, pourquoi tu te plains? Si c'est mauvais, pourquoi tu le fais aussi? Mes frères, si tu dis que tu es vraiment RHDP là, hein, mais tu n'as pas venu te faire à la Kiri? Tu n'as pas venu livrer ton leader à la vendue populaire? Tu n'as pas venu prêter un flanc à l'opposition pour qu'il frappe là-dedans? Parce que la preuve, ta vidéo là, ça là, c'est sur les pages là-bas. C'est sur les pages là-bas. Donc, toi, si tu dois venir exposer d'après toi tes cadres, c'est-à-dire que tu te contredis dans cette vidéo, tu te contredis. Tu me reproches des choses et toi-même, tu veux faire ces choses-là. Mais si tu veux prêter le flanc à l'opposition, mais on va où? Non, c'est à moi de dénoncer. Le président Ouattara, il n'a pas un conseil. Toi, tu travailles à la présidence. Tu penses qu'il n'y a pas les gens qui lui parlent? Tu penses que le président Ouattara n'est pas suffisamment informé? Toi, tu es intelligent qu'Alassa Ouattara? Toi, tu es intelligent qu'Alassa Ouattara? Tu penses que lui, c'est pas ce qui se passe? Que c'est à moi de lui dire? Tu te vois, tu te prends sur lui, hein? Mais si c'est à toi de lui dire, tu connais pas la présidence. C'est si Facebook t'a lui dit, va à la présidence, pantin, plaisantin, rabat-joie. Ta place là, elle est zéro. Voilà pourquoi depuis là, tu as ce niveau-là. Tu sais pas ça? Tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Ta chance, c'était une fois que tu l'as raté. C'est fini. Donc, quand tu dis que les cadres me regardent d'un salaire ou quoi, je sais pas. J'aimerais te dire, je m'en moque éperdument. Je m'en bats les couilles, royalement. Quand on me regarde mal, quand on me regarde pas mal, je m'en fous. Frère, Johnny, il s'en fout, hein. Ah oui, c'est toi qui sais amitié. Moi, c'est pas amitié, hein. Ah, faut comprendre ça. Plus suivant. Parce que des élections, quand il y a eu élection de 2020 octobre, toi, Johnny, tu n'étais pas bien. Quand ça chauffe. Mais tu es bête ou quoi? Je travaille, tu veux que je sois à Abidjan comment? Est-ce que tu es normal même? C'est peut-être que tu travailles pas que tu es toujours à Abidjan? Nous on travaille. Ici là, tu peux pas te lever même pour aller à Paris tout près là. Moi j'ai perdu le frère de mon père est décédé. On a une veillée. Mais je dois prendre une permission avant d'aller à Paris. Tu peux avoir l'heure comme ça pour voyager? C'est peut-être que tu travailles pas que tu es là pour voyager? Quand le vin il était, comment on appelle ça? J'étais à Abidjan pendant les élections, tu n'étais pas là. Tu es normal là, toi? Tu étais à Abidjan, ta contribution, c'était quoi? Dis-moi, ta part contributionnelle, c'était laquelle? C'est toi qui es le général Apalo? C'est toi qui es le général Kouyaté? C'est toi qui as pérennisé le pouvoir du président? C'est toi qui as sécurisé tout? Enfoiré, là. N'importe quoi. Putain, ici, là, j'étais Alpha et Alpha. Ça a chauffé à Putain, ici, là, j'étais Alpha et Alpha. Et autre, quand Johnny là, tu as fui le pays. Tu ne voulais pas rentrer. Je vous connais, vous êtes. C'est normal. Il y a les choses à prendre et te dire. Sinon, il a été dit ça tout de suite quand même. Il y a les choses à prendre et te dire. Sinon, il a été dit ça tout de suite quand même. Mais là, c'est un autre truc. Ça n'a rien à voir. Il ne rentre pas dedans. Vous suivez. Quand ça chauffe la foule, vous restez à Miron. C'est à Miron. C'est quand ça va là que vous revenez ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu parles de quoi, toi? Mon frère, il fait partie de la promotion 2005-2007 Toroguy. Mon formateur s'appelle Alexandre Apalo Touré. Colonel Major Kone Souna. Quand tu vas à Agban là, le commandant de légion, c'est pas ce dernier, le commandant de légion d'Agban. Il s'appelle Kone Souna. Cap Colonel Varan. Quand on dit, avant quand on était à Toroguy, on l'appelait Capitaine Varan. Un homme qui dort jamais. Depuis moi aussi, on était à Toroguy, il n'a jamais vu dormir. Tu as compris? On était la dernière promotion de Ballet. Toi, tu as me regardé, moi, Johnny. Pour me dire que moi, ici, un fuyard. Moi, ici, un pléantin. Tu es normal, là, toi?
Toi, tu es sérieux. Tu sais pas de quoi tu parles, hein, toi, là. Tu sais vraiment pas de quoi tu parles. Toi, si tu as fait une seule journée avec Apollo, à Toroguay, moi, champion, moi, arrête de faire vidéo. Si Apollo t'a manœuvré une seule journée, moi, Koukounia Christ, il arrête de faire vidéo. Si Kone Souna t'a récupéré une seule journée, moi, Koukounia Christ, si t'as tenu, moi, il arrête de faire vidéo. Valam va te tuer. C'est toi, comme ça, tu as me dit que moi, je fuis. Fuis quoi? Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Le président Ouattara avait été investi à Yamoussoukro. J'étais en Côte d'Ivoire quand Nicolas Sarkozy est venu. T'as compris? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand Nicolas Sarkozy est venu. Moi, j'ai pas fui la Côte d'Ivoire. Hein? J'ai pas fui la Côte d'Ivoire. Tu parles de quoi, toi? Enfoiré, là. Quand les MI-24 de, comment on appelle ça, Sionnais, la caserne d'Agba, Pilonnais, Agba, non, l'État Agba. Après, on s'est retrouvé à l'escadron Toi-Rouge de Yopougon. Tu parles de quoi? Quand on disait aux gendarmes qui n'avaient pas des armes d'aller se ravitailler en arme à été coupé. Donc si moi j'étais pas là-bas, il allait savoir tout ça là. Enfoiré là. Tu parles moi c'est un plaisantin. N'importe quoi. Va demander à mes promotionnaires qui sont restés à la gendarmerie à Abidjan là. Il faut aller demander si il a fui la Côte d'Ivoire. Sale civil là. Un ministre, c'est pas moi vous allez narguer, Jolie. C'est pas moi tu vas narguer. Ta petite ville, il faut gérer ça. Non, ma vie, elle n'est pas petite, elle est grande, petite. C'est toi qui as une petite vie. Voilà. C'est toi qui as une petite vie. Parce que toi, tu ne travailles pas, tu es de l'autre côté là-bas. Moi, ma vie, elle est grande. On n'est pas pareil. Hein. Je ne suis pas ton ami. Tu as compris? Je ne suis pas ton ami. Même peinture de ta maison, tu ne veux pas refaire. Pareil, ton propriétaire va appeler la police là. C'est toi qui as parlé de moi et une petite vie. Poursuivons. Moi, j'ai une histoire politique. Toi, ta vie, il faut gérer ça. Tu as quelle histoire politique? Tu as quelle histoire? Tu as quelle histoire? C'est les Blais Goudé qui sont diminués à débattre avec toi. Un illettré de ta trempe là. C'est Blais Goudé, Kakabé. Quand tu te regardes et puis tu regardes Kakabé là, sur le plateau là, vous aviez le même niveau? Est-ce que tu avais son niveau? Tu avais le niveau de Konaté Navigué? Mais ils te l'ont dit sur le plateau. Que tu n'as pas le niveau? Et moi j'ai une histoire. Tu as quelle histoire toi? Ceux qui ont une histoire politique là. Mais aujourd'hui là, leur histoire parle d'eux-mêmes. Leur histoire parle pour eux. Ils ont des postes de responsabilité. La jeunesse aujourd'hui, les vénères, etc., les adultes. Mais toi, tu as quelle histoire? Un griot, un pantin. Quelqu'un qui fait du lesbotisme. En train de faire l'apologie des gens pour qu'on lui donne des miettes. C'est toi qui as une histoire, tu as quelle histoire? Résidu d'être humain. Pour suivre cette vidéo-là. Voilà. Moi, j'ai une histoire politique. Il faut gérer ça. Voilà. Moi, j'ai une histoire politique. Toi, ta ville, c'est les injures. Tu as passé ton temps à insulter la mère du président de la République. Insulter sa femme. L'insulter lui. C'est pas ton papa, c'est pas ton papa, c'est pas ta maman. Tu as compris? Chaque jour, c'est dit que c'est la même rhétorique là. Oui, qui est insulté, ça là c'est obsolète. Tu as compris? Qui est insulté et puis quoi? Je suis allé à Abidjan et puis quoi? Oui, il est insulté et puis quoi? Lui-même il parle pas et puis ton problème est où? Occupe-toi de ton père ou de ta mère. Bon, ta mère qu'on met dessus. Mère qu'on de ta maman, mère qu'on de ton grand-père, mère qu'on de ton cousin. Toi au moins, tu as un alibi. Je t'ai insulté toi-même maintenant. Toi là, tu peux parler pour dire, tu m'as insulté moi, Zasso. Ton bas billet chaque matin. Avion que tu prends, la mère quand tu pilotes, mets dessus. C'est lui que pilote qui te prend chaque jour pour t'avoir habité là-bas. Sa mère quand matin, midi, soir. Enfoiré. Petit bas billet là. Et maintenant, il t'a insulté. Plafonné dans son procureur. Tu as compris? Ton chef du village, ses enfants, les notables, les soeurs, tout. Mère quand de tout ton village, mets dessus. Petit babier là, enfoiré. On poursuit ta vidéo. Laisse Alassane Ouattara tranquille. T'as compris? Si lui, un jus là, ça lui fait mal, lui, c'est ce qu'il va faire. T'as compris? Et puis sur la question de ces jus, je me suis excusé, on est passé à autre chose. Depuis, je me suis excusé là. Tu m'as vu continuer? Mais toi, ton babier. Et puis après, excuse là. C'est quand tu veux. Petit maudit là. Poursuivons la vidéo. Donc, non, tu ne peux pas dire que le RHDP doit rester au pouvoir en 2025. Mais si le RHDP doit rester au pouvoir en 2025, pourquoi tu les accuses de complotistes? Pourquoi tu les accuses d'avoir, en tout cas, mijoté une magouille contre Didier Drogba avec des faussaires, des détourneurs de fonds publics? Pourquoi tu le dis alors? Tu dis que ce n'est pas des bonnes moralités, c'est des voleurs. Tu dis que c'est des faussaires. Ils ont aidé Cyril Diallo. Et puis tu as venu dire encore que les RHDP t'ont pas bien ça matin. Enfoiré.
Chaque fois que tu mens sur ta femme pour la mougou, ta mère qu'on te met dessus. Petit babier là. Plus si tu n'es pas bon, je vais condamner. Et ça là, tu ne peux rien me faire, frère. Moi je te dis la vérité. Tu crois que je suis un lâche comme toi? Toi, tu... Ça là, c'est pas la caméra, on dit ça. Tu ne peux rien me faire, je suis un lâche, là, c'est pas la caméra. Voilà. Ça, tu sais ça. Parce que quand c'est vu à Montreuil, la première chose qu'il t'a dit, il t'a posé une question. Il dit ce que tu as dit sur Facebook me concernant là. Faut répéter. Zasso, moi c'est un client, toi tu sais ça. Tu sais que c'est un client. Faut pas te donner de la contenance sur Facebook. Mais moi, quand il parle d'âme, ça sauve mon cœur même. Allez, il parle à toi, ça sauve mon cœur petit. Je te dis la vérité. De toute façon, il parle à toi, allez là, mais c'est à bout d'un temps. Mais pas, mon ami garçon et papa, quoi là. Mais si tu n'es pas derrière moi, tu n'es pas derrière moi pour me parler, quoi. Faut attendre que je suis derrière toi, t'as parlé ça là. T'as compris ou pas? Plus suivant. Toi, tu enregistres des ministres ici. Tu as fait vidéo ici pour dire toi, tu veux raconter le président, toi, tu as des informations. Mais... D'abord, tu racontes des bêtises. Bon, c'est quel ministre a enregistré? Dis son nom. C'est quel ministre qui a parlé au téléphone et puis je l'ai enregistré? Dis-moi son nom, s'il te plaît. Et puis, depuis quand moi, j'ai fait vidéo pour dire ici que j'ai enregistré un ministre? Montre-nous la vidéo. Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es aigri même? Johnny, là, il t'a fait quoi même? Tu es envieux, tu es nœud, tu es jaloux, pourquoi? Tu es jaloux pourquoi? Cherche ta vie. Vis ta vie et fous-moi la paix. J'enregistre les quatre ministres. Bon, poursuivons. Viens donner les informations, c'est le moment. C'est de moi que tu vas parler. Peut-être qu'il y a des informations. Mais viens donner les informations, c'est le moment. C'est de moi que tu vas parler. Viens, tu vas donner les informations que tu avais quand tu cachais en toi. Viens donner de nous. Mais frère, tu vois, quand tu dis que tu es un enfant, tu es un illettré, tu penses que m'amuse. Si moi je vais donner information là, de venir sur la place publique pour te dire que je vais donner information. Ou bien de faire vidéo, de m'asseoir. Oui, président Ouattara. Et puis, on en direct. Mais quand tu parles de secrets d'État, là, pour toi, là, ça veut dire quoi? Ce que j'ai fait de ma vie, ce que moi j'ai fait de mon temps, ça me concerne moi, ça me regarde moi. Et ce que j'ai fait pour la République, c'est entre la République et moi. J'ai pas de compte à te rendre, petit. J'ai aucun compte à te rendre. Enfoiré, là. Ton pas bien pour mettre ici encore. Plus suivant. Si c'est pas Congo que tu as voulu humilier, si c'est pas Congo là, qu'est-ce que tu n'as pas fait? À l'aéroport, garde du corps, voiture, il faisait tout pour toi. Il faisait tout pour toi. Écoute, s'il te plaît, quand tu ne sais pas quelque chose, faut te taire. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'au fait, là, il veut s'attirer la faveur de Sissé Bakongo, mais tu es un mendiant. Voilà. Parce que, il y a des choses, il te dit. C'est que les ministres m'ont dit de toi, si je te dis là, on dit tu es un mendiant. Chaque matin quand ils viennent devant les bureaux, tu es là comme ça. Tu es un mendiant. Mais je n'ai pas dit les noms parce qu'ils me respectent. Et c'est des choses qu'on s'est dit, je n'ai pas dit les noms, je n'ai pas exposé quelqu'un. Tu as compris? Voilà. Donc, mais tu dis, il m'a reçu à l'aéroport, tout. Bakongo ne m'a pas reçu à l'aéroport. Et puis quand il déparle de quelqu'un, la moindre chose c'est quoi? C'est assurer sa sécurité. En quoi est-ce que c'est mauvais? C'est assurer sa sécurité. Je suis arrivé à Abidjan d'un climat que tout le monde connaît. Alors que hier, je fustigeais à balles réelles ce pouvoir. Bon, j'arrive à Abidjan. Moi-même là, c'est gros que j'ai pris pour arriver à Abidjan. Gros, quelques mois j'ai attiré pour ça pour arriver à Abidjan. Moi, le cœur que j'ai là, tu n'as pas ce cœur là. Mais je suis arrivé. Malgré tout ce qui pouvait arriver là, j'ai dit allons-y. Puis c'est arrivé à Abidjan. On a un de nos. Un ex-camarade, toi, il te dit aussi, toi, Dre, là, faut m'écouter très bien. J'ai écouté une fois une vidéo de quelqu'un qui parlait. Mais tous ces propos, là, moi, je savais que ça venait de toi. Voilà. Et tu connais pas ma vie. C'est-à-dire que ce qu'il te dit, là, ce qu'il veut que tu entendes, là, c'est ce que tu allais lui raconter là-bas. Mais il y a un ami, Kone Daouda, qui est à Abidjan. Un ami, le frère de Kone Zakaria. C'est lui qui m'a dit, faut le laisser. Voilà comment moi, il t'a pas répondu. Sinon, là, si elle sort sur toi, petit, si elle sort sur toi, ce qu'elle t'a montré, là, tu vas savoir ce qu'il y a dedans. T'as compris? Ta femme blanche, là, il y a la bipé, elle va venir, il y a son Facebook. Ta femme blanche, là, Julia, il y a son Facebook, il y a la bipé, elle va s'asseoir. Ce qu'elle t'a montré, là, non, hein, tu vas savoir qu'il y a clash et puis il y a clasheur. Oui, il y a clash et puis il y a clasheur. Faut pas t'amuser. Alors, pour revenir à ce merconnier des assauts, tu vois, c'est pour te dire,
D'abord même, on va attendre. Là, il est minuit, comment on appelle ça. Sur la question de Bakongo, laisse Bakongo tranquille. Et puis parle de toi. T'as compris? Voilà. Quand tu es en parlant avec quelqu'un là, tu ne cherches pas à lier. Johnny est en face de toi. Que depuis comment il parle là, tu as vu que je vais t'opposer à tel leader ou tel leader. Non, non, non. Il y a affaire à toi. Et je t'attaque en fonction de tes actions, en fonction des pas que tu as posés. C'est ça la réalité. Poursuivons la vidéo. Il faisait tout pour toi. Il faisait tout pour toi. C'est pas lui que tu voulais exposer. Non, hein. Faut pas dire qu'il faisait tout pour moi. Hein. Non, non, non. Il faut arrêter ça. Hein. Il y a quel âge, petit? Moi, il y a quel âge? Tu connais mon âge? Toi, tu connais mon âge? C'est le ministre Bakongo qui m'a nourri quand j'ai arrivé où je suis aujourd'hui là. Petit, je suis père de 4 enfants. Tu as compris? Je suis père de 4 enfants. Il nous a reçus pour un séjour bref de 2 semaines. Si c'est pour chez toi, la paix, ça fait tout pour quelqu'un. Moi, je n'ai pas rentré dans les détails de mon séjour à Abidjan. Mais il te dit, Bakongo, là, le rencontrer ne fait pas de toi un homme riche. Parler à Bakongo, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, dans le jargon, on dit fa-fa. Moi, Bakongo, on a assis, quoi, puis sorti de son bureau, ne fait pas de toi un homme riche. Voilà. Si rencontrer les ministres en Côte d'Ivoire faisait les gens, des personnalités ou bien des gens riches, Johnny Pacheco serait milliardaire. Mais j'ai rencontré des ministres, mais je ne suis pas sorti avec quelque chose. Tu as compris ou pas? Donc arrête de raconter n'importe quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on met des photos, on prend des photos de Johnny et on fait des commentaires à partir de 5 photos. Il était avec tel ministre, par conséquent, on est dans les millions. Le ministre Adjoumani, que je respecte beaucoup, que mon père, allez demander à Adjoumani. Le ministre Adjoumani, là, quand il va chez lui, lui, il est assis. Et puis, ses autres, là, bon, il n'a pas parlé sa vie privée. Sa vie privée. Mais, allez voir le ministre Adjoumani, ne fais pas de toi un homme riche. Allez voir Touré Mamadou. J'étais assis à Touré Mamadou. Demandez à Touré Mamadou. Ce jour-là, même là, moi, il a dit, ah, le ministre, vraiment, on ne veut pas dire non, ça, c'est pour votre cabinet. Quand vous êtes venu ici, prenez ça pour votre cabinet. Il nous a donné combien? 500 000 pour notre cabinet. Et c'est mon ami Barakat là. C'est lui qui a pris ça. Frère, moi, je te parle. Hein. Maintenant, si 500 000 là, ça peut changer la vie de quelqu'un, faut me dire honnêtement. Voilà. Donc, les relations là, c'est plus important que ce que tu appelles bien matériel là. Bien matériel là. Relation est plus important que bien matériel. Moi, je ne coupe pas derrière l'argent. Parce que je sais chercher l'argent. Moi, je travaille. Et puis, je suis dans un pays où le SMIC est 2 fois élevé que le SMIC français. En Finlande ici, le salaire moyen là, il est plus élevé 2 fois que le salaire en France. Donc, moi, il y a quel problème? Je cherche quoi? Ici, même tu ne travailles pas, là, l'argent même que l'État te donne là, c'est plus même que pour quelqu'un qui a un salaire en France qui travaille. Donc, moi, il y a quel problème? Pas de problème. Moi, je cherche chez l'un. Mais, voir des ministres, et puis, quand tu parles du ministre Ahmed Bakayoko, lui, c'est les ennemis d'Ahmed Bakayoko qui l'ont reçu, etc. Non. Le ministre Ahmed Bakayoko, avant que moi, je n'ai pas d'Abidjan. Il était en tournée à l'intérieur du pays. La veille, on devait aller à Paris. Le lendemain, Ahmed Bakayoko était en tournée à l'intérieur du pays. Il a envoyé son protocole. Ils sont venus donner 2 millions. 2 millions. Il était avec un claque. Et puis, voilà. Vivi l'amour. Nous ont donné 2 millions. Le ministre m'a donné. Voilà. Donc, quelqu'un qui a quelque chose contre toi là, il ne te remet pas l'argent. Il ne te remet pas l'argent. Tu as compris? Donc, c'est vous qui spéculez. C'est vous qui parlez. Sinon, moi, je suis serein. Mais c'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui aime se faire voir. C'est-à-dire, faire des vidéos ou bien aller, oui, je suis dans le bureau et tout le monde va d'où. Oui, je suis le ministre vient de me recevoir. C'est pourquoi? Ça cherche quoi? C'est pour chercher quoi? Rien. Ou bien je m'en vais à Jamaïque et puis je prends photo. Mais à Jamaïque, même là, je t'assois pas dit Johnny est là. Eh, Zasso, toi et moi, tu m'as vu à Paris? Toi et moi à Paris, c'est pas du jeu. Même policier français, il me regarde et puis il dit, ouais, nous on a suivi une personnalité. Mais pour toi là, je sais pas. Ben, c'est dur de me protéger. Tu connais petit. Toi, tu es plaisantin. Tu peux jamais être Johnny. C'est ça la réalité. Pour suivant, c'est pas fini. Pas fini. Pas fini toi comme ça. Parce que tu as parlé, on a entendu. Et maintenant, tu es là, tu tournes tout, tu es lâche. Ah ouais? Donc, j'ai parlé, vous avez entendu. Quand j'ai parlé à la chaise ivoirienne, j'ai dit le nom de Bakongo dedans. Dites-moi, montrez-moi une vidéo de Johnny où il a dit que le ministre, c'est Bakongo,
Chris Yapi. Moi, je suis pas un lâche, un Zassou. C'est toi qui es un lâche. Tu comprends un peu? Maintenant, moi, je sais pas. Moi, il a dit, qui c'est ça mauvais, c'est mouche. La vidéo, elle est là. Celui qui c'est ça mauvais, il n'a qu'à se moucher. Aïe. Celui qui c'est ça mauvais, il n'a qu'à se moucher. Puis, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Moi, là, si aujourd'hui, je suis au courant d'un complot contre Alassane Ouattara, même si c'est sa femme, je lui dis, aïe, il y a quoi déjà? Tu veux parler quoi même? Je lui dis ça bien même. C'est toi qui es un lâche. Moi, je suis pas un lâche. Je suis pas un lâche. Voilà. Donc, les gens comme moi, là, au contraire, l'État de Côte d'Ivoire a besoin. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait une formation militaire. Et donc, c'est ce petit côté-là, ce petit plus-là que j'ai. Voilà pourquoi j'ai alerté. J'ai alerté l'État pour dire que voilà, voilà, voilà. Mais j'ai pas dit non de quelqu'un. Maintenant, si tu veux nous dire des choses, dis-moi, moi, je sais pas. Hein. Tu veux me dire des choses? Parce qu'après le contrat, j'ai pas dit non de quelqu'un. Toi, tu veux me dire des choses. Sans sourire, un frère. Voilà. Et là, tu es en train de diffamer, là. Parce que je peux te pousser pour diffamation. Mais moi, je ne poursuis pas. Un vrai nous, si je ne poursuis pas, il godo-godo. Voilà. Un te godo-godo, non? Et puis tu sais que non? Oui, c'est le garçon qui est rentré dans toi, là. Moi, il n'y a pas allé dans la justice, c'est toi. Non. Sinon, ça, là, c'est une diffamation. Je peux dire à la justice, fais-nous sortir les vidéos où Johnny a dit que Bakongo, là, c'est Chris Yapi. Fais-moi sortir la vidéo. Enfoiré, là. Tu n'es pas intelligent, tu es rentré dans le débat, Johnny. Suivant la vidéo. Tu t'es torti, tu veux te faire aimer. Moi, irresponsable. Moi, vouloir me faire aimer. Mais de quoi il parle, lui? Moi, quand vous me regardez, moi, il veut me faire aimer. Aimer par qui? Quelqu'un qui veut se faire aimer, il t'insulte, ta mère con. Mais ta mère con? Mère con de ton papa? C'est quoi, il veut me faire aimer, là? Ton babi encore. Quoi, il veut me faire aimer? T'es sonné, là, toi? Enfoiré. Poussez-moi la vidéo. Parce que si c'est aimer, là, moi, tu veux te faire aimer. Moi, je ne sais pas me faire aimer. Parce que si c'est bien là, moi c'est mon combat qui me fait, mais c'est rien d'autre. Tu as quel combat même? Dans l'opposition, tu étais zélé. C'est vous qui avez mis tellement les militants, beaucoup sont morts. C'est toi qui vas me parler. Il parle de quoi? De quoi il parle même? Il parle de quoi, mais ces gars-là? C'est vous qui avez mis dans l'opposition. Moi, il y avait quel poste dans l'opposition? Il y avait quelle responsabilité dans l'opposition? Et puis, je suis responsable de la mort de qui dans l'opposition? Il parle de quoi, ce mec-là? Yeri, ton nerf que tu fumes là, qui te livre ça? Ton neb là, apparemment, il y a un goudron dedans. Tu es sérieux là, toi? Père, tu as pété un câble. Tu as vraiment pété un câble. Tu comprends? Alors, chers camarades, poursuivons la vidéo. Tu n'as rien à bouquer. Et puis, je vais dire à ces petits militants. Si vous n'avez pas d'argument pour défendre votre parti, vous la fermez. Si vous n'avez pas d'argument, si c'est Tony, Tony a insulté votre président, je fatigue. Tu es en train de sombrer dans la compulsionnalité. Laisse les militants du RAGP tranquille. Faut les laisser tranquille. Aïe, est-ce qu'eux t'ont demandé quelque chose? Eux, ils te regardent, ils me regardent. T'as ta caméra et ma caméra. Eh, Alassane Ouattara, là, il est président de Côte d'Ivoire. Celui qui veut le défendre aujourd'hui, le défend. Même si Laurent Gbagbo veut défendre Alassane Ouattara aujourd'hui, les leaders le défendent. T'as rempli. Les militants du RAGP, là, Ouattara n'est pas le président. Ouattara n'est pas le papa. Ouattara, il est le président de la Côte d'Ivoire. T'as rempli ou pas? Adhère à la politique de Ouattara qui veut. Et puis aujourd'hui, je pense que tous le suivent, pas parce que, pas pour sa personne, on le suit pour son travail. On le suit pour ce qu'il réalise en Côte d'Ivoire. T'as compris ou pas? Faut parler de moi, dis-moi. Mais vous suivez Johnny. Vous suivez Johnny. Enfoiré là. Suivez la vidéo. Il va venir, il va rouler dans une grosse voiture, il va lui donner de l'argent, il va payer un nouveau téléphone, des choses qui... Jaloux, hein, jaloux, mais, jalousie, c'est de toi que Fali, il ne veut pas parler là. Ja, tu étais gris. C'est de que, mais tu es un plaisantin. Il va rouler dans grosse voiture, mais, mon frère, c'est pas de ma faute si tu roules dans votre. C'est pas de ma faute si tu prends brouette, hein, pour aller de place en place en Côte d'Ivoire. C'est pas de ma faute si tu montes dans voiture déjà à Abidjan, hein, pour quémander comme un mendiant. C'est pas de ma faute si à cause de l'argent, à cause de Ouattara, tu as oublié même Jésus-Christ et tu es devenu un musulman. Un plaisantin comme ça. Quelqu'un qui renie sa propre religion pour de l'argent. C'est toi qui as venu parler de Johnny Patibou. Enfoiré, jaloux là. Pour suivre la vie. Il ne peut pas s'acheter. C'est sûr, vous l'entendez de faire ça. Tu l'as vu, il a dit. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Attends. Il va venir, il va rouler dans une grosse voiture. Ils vont lui donner de l'argent. Il va payer un nouveau téléphone. Des choses qu'il ne pouvait même pas s'acheter. Il est sérieux là, le mec. Attendez, attends.
Il est sérieux là, le mec. Moi, j'ai roulé dans grosse voiture. Il y a avoir un nouveau téléphone, des choses qu'il ne peut pas m'acheter. D'accord, chers camarades, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais vous montrer quelque chose ici. S'il vous plaît. Suivez cette vidéo-là. Comme il dit que moi, je roule dans grosse voiture, maintenant à cause du LHDP, d'après lui. Hein. Faut suivre cette voiture. Faut suivre cette vidéo-là. Il faut pendant qu'on y est, tu peux même dire, voici ma voiture. Ça là, c'est pas qu'un capé pour moi. Voilà. 21 000 euros. Je suis les pieds, dis ça. 21 000 euros. C'est pas qu'un capé pour moi. Voilà. Je dis ça. Voilà. Ici là, j'étais pro babou. 21 000 euros. Ma voiture. C'est ton papa qui a acheté pour me donner. Toi qui dis que je n'ai pas acheté de téléphone. Mais tout le monde sait, quand il était pro babou là, quand le iPhone X est sorti, Johnny a payé iPhone X. Et puis là, il a. Mais tu es un plaisantin, toi. Tu es un vrai comédien. Moi, quand il m'est à la CPI, là, on t'a dit qu'il ne marchait pas à la CPI. Quand il partait à la CPI, là, il ne marchait pas à la CPI. Mais tout le monde sait que Johnny, là, c'est papa dans Apple. Tous ses ordinateurs, depuis les Pro Babo, ça a été toujours des MacBook. Il a trois MacBook et puis fait vidéo. Toi, tu disais pas ça. Ou bien c'est LHP qui a dit ça pour moi. Tu es un plaisantin, petit. Tu es un plaisantin. Attends. Tu penses qu'elle vit dans quel pays même? Tu penses qu'elle vit dans quel pays? Ton maudit. Maintenant, il te dit une chose. Tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Il faut retenir ça. Ta vie va se limiter à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas ton ami. Et je ne serai jamais ton ami. Voilà. Et puis, toi et moi, candidat. C'est lui qui n'a pas autre candidat. Toi et moi, candidat à une élection, il te bat. Sans remords. Il te bat tranquillement. Au calme. Et puis, retiens une chose. Même le président Ouattara, si on lui dit aujourd'hui, choisis quelqu'un pour aller te défendre sur un plateau, c'est pas toi, c'est lui qui a toi et puis à moi. Il va dire Johnny Pacheco. Tu sais pas ça aussi? Petit babier là. Mère con de ta petite soeur, mère con de ta grande soeur, mère con de ta. C'est lui que ta maman là, son pointeur qu'aux États-Unis qui la pinaille dans les cabarets là, mère con de son pointeur pour mettre des choses ici. Petit babier là. Non seulement tu es laid, quand tu me regardes la même chose, moi je te parle de ma maison, je suis dans ma maison. Ma femme elle est belle. Oui, Manakou Kounyon, elle est très belle. Tu veux la voir à toi sur le moi, sur la montre. Manakou Kounyon, t'as vu là non? Elle est très belle. Toi, un pantin, un bouvier, toi t'as venu parler de Johnny Pacheco. Chers camarades, j'aimerais dire à ce merconnier qui vient de la merconnerie de l'univers que je ne suis pas son ami. Voilà. Ta grand-mère, sa mercon. Ton papa, sa grand-mère là, sa mère qu'on met dessus. Tout ton village, y compris, la mère qu'on. Et puis, ton voisin où tu es habillé actuellement là, peut-être tu es repéro. Mère qu'on de ton voisin pour mettre dessus. Voilà. Tout ce que tu as salué, la mère qu'on met dessus. Là, quand il ne va pas te saluer, peut-être toi-même là, non. Tu es une personne, on doit s'éloigner de toi. Petit babier là. Prends la vidéo là, va donner ça au procureur que tu veux. Il a cassé ta gueule pour mettre dessus. Ta mère qu'on, petit babier là. C'est moi qui te dis ça. Chien de ta race. Enfoiré. Tu penses que tu as parlé à Johnny, puis lui, moi, il ne guettait jamais. Nous, si même là, tu ne comprends pas aussi. Villageois, ta lèvre en direct, tu as 42 dents. Nous, on a 32 dents. Toi, tu as 42 dents. Donc, quand tu parles à moi, on n'entend pas ce que tu dis. Vidéo. Petit babier là. Merde qu'on est ton cerveau. Merde qu'on est tes cheveux. Merde qu'on est ta réflexion, ta manière de réfléchir. C'est peut-être que tu ne réfléchis pas bien que tu dis que c'est le LHDP qui a placé Idriss Diallo là. Donc, merde qu'on est ta réflexion, quand tu as bien réfléchi. Petit babier là, enfoiré pour mettre dessus. Enfoiré. Chers camarades, là, il m'a arrêté parce qu'on m'a dit qu'il a fait une heure. Une heure à cause de ce zozo là. Parce qu'on allait décrypter ta vidéo. Dans ta vidéo, tu as dit que moi, quand j'ai appelé, il a dit dans la vidéo, hein, que moi, j'ai dit que quand j'ai appelé, que je l'ai enregistré, que Ouattara lui a donné 1 milliard. Non. L'information, c'est la ministre Kandia elle-même qui a publié sur sa page. Voilà. Que le président Ouattara vient aider à Bobo. C'est sur sa page que j'ai eu l'information. Quand je m'en pas appelé, tu parles de quoi toi? Ta mère qu'on puisse ces mensonges là pour mettre dessus. Petit babier là. Enfoiré. Mère qu'on est ton ami, chien de ta race. Et puis ta femme n'oublie pas, hein, sa mère qu'on de la grossesse qu'elle va prendre. Mère qu'on, tes enfants là, leur grossesse qu'ils vont prendre. Leur mère qu'on pour mettre dessus aussi. Enfoiré là. Portez-vous bien les gars. Bonne nuit, c'est Johnny Pacheco Antonio.